Ok, bon bah allons dans ce tuyau. Ok, le monde 4. Là, l'usine hantée. Oh. Wow. J'ai pas tout compris, mais ok. Bon, admettons, hein. La mécanique me paraît hasardeuse. Et on verra bien. Ok. What? C'est quoi ça? Bon, comme d'hab, hein, vous me connaissez. On fait les 100 pièces tranquillement. Pour essayer de retenir un peu à quoi ressemblent les lieux, même si là ça me semble assez compliqué. J'aime pas qu'il y ait plein de panneaux vu que je comprends pas bien l'anglais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah attends, mais quoi? Ah, faut juste que l'un touche l'autre, peut-être. Aujourd'hui, Hollande est en... Merci Hollande Cyril pour ton Prime, merci François beaucoup. Sera chez François. Merci beaucoup Cyril pour le Prime. Sûrement qu'il y a un problème. Waouh. Ah d'accord, ça recommence ici. Ok, ok, on meurt pas définitivement. Intéressant. J'aime bien les petits respawns rapides de temps en temps, ça fait plaisir. Bah après, en vrai, quand c'est pour une transition comme ça, comme c'est tellement frustrant que ça fait vraiment plaisir, ça. Ok. Ouais. Donc on a... ça là, d'accord. On n'a pas le droit ça? Merde. Ok. Ouais, très bien. Un peu bizarre hein, quand même l'ambiance là. Hein. Ok, donc là c'est fini. Drôle d'étoile. Ok. Luigi. Luigi time. C'est le Luigi time. Ok, c'est reparti. On va essayer de refaire les 100 pièces vu que là j'ai été aspiré dans un autre truc. Et je me suis dit si on y arrive autant le faire direct. Il y a des trucs dans les bois-boîtes là. Ah, il y a rien dans les bois-boîtes. Ça dégoûte.
Ah là, dans la boîte là, il y a une boîte, j'avais pas vu la boîte. Dix petites pièces, ça régale. Donc cette histoire de saut là, j'ai pas trop compris comment ça marchait, juste vaguement qu'il fallait appuyer sur A et potentiellement rester appuyé sur A. Mais je comprends pas trop comment ça fonctionne les histoires là. D'accord, ça a l'air d'être un... D'accord. Ouais. C'est pas hyper clair, quoi. Voilà, et à cet endroit-là, ça nous fait chier, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est la caméra qui compte. Non, bah, je sais pas. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, je connais pas cet endroit. Ah, je connais pas cet endroit. Donc là, normalement, je fais deux sauts dessus et on est bon. Monsieur l'arbitre, j'étais en train de me sortir de cette situation avec brio. Je m'en fous de lui. Monsieur l'arbitre, je demande la VAR. Alors, on m'a jamais dit qu'on avait plus le droit de s'accrocher. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, on a plus le droit de s'accrocher? Je suis désolé, je le dis comme je le pense, je trouve que cette mécanique de gameplay est un peu à chier, voilà, j'ai pas peur de dire les mots. Ouais. Franchement, assez oubliable cette mécanique. Pas la mécanique la plus ouf, quoi. Mais pourquoi pas, en vrai. Disons que si c'est juste là, c'est un peu en mode entraînement et qu'après, ils nous en mettent... je sais pas comment dire, mais après, ils nous en mettent un peu dans des moments un peu stylés, et ça peut. Pourquoi pas. La critique est sévère, mais juste, hein. Néanmoins. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on commence vraiment à 28 pièces très rapidement. Et là, on va farmer, ça devrait aller. Ok. Bonjour. Je sais pas ce que c'est, ces trucs qui apparaissent. Je sais pas si c'est de la déco, si c'est... Alors ici, ça me dit rien. Peut-être le truc qu'on a fait tout à l'heure, ça. Non, je crois pas, hein. Ça me dit vraiment rien. Ah, il y a un petit bloc ici. Bon, franchement, il y a marqué interdit. J'ai envie d'aller dessus. Vous me connaissez. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Bonjour. Ah bâtard. Ah mais je me suis fait prankhead aussi. Voilà. Oui, pourquoi ils ont mis une safe state à cet endroit-là? Ça, je comprends pas. Faut aller dans le trou? J'ai envie d'aller dans le trou, là. Y'a quoi dans le trou? Oh, y'a autre chose. Oh, c'est bizarre en bas. Ça m'intrigue.
Vas-y, on reviendra plus tard pour ça. Moi, je vais aller dans le trou. La caméra. Merci. D'accord, j'ai eu un checkpoint. Je sais pas trop d'où, mais j'ai eu un check. Je comprends même pas où je suis. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir mon étoile des 100 pièces et moi, ça me va. Voilà. En fait, je crois que le trou, ça servait à rien. Il a pas sauté. Oh le bêta. Oh le bêta, il a pas sauté. Il a pas sauté encore le bêta. Bon, c'est reparti avec la carapace. Tac. Alors. Ouais, bah probablement par là. Hein. Ça doit être du poison, j'imagine. Non. Ah. Ah. Pourquoi on se fait attaquer par des brochets, là? On se fait attaquer par de la poiscaille. Ah! Salut la poiscaille, c'est Chris. Par contre, c'est abusé, on a le droit de... tomber dans le vide. Hein? Ah, il fallait peut-être monter sur le poisson. Ah! Ah! Ok, c'est bon. Ok. Très bien. Il est toujours le haut de l'usine, du coup. Et on n'a plus besoin de se soucier des pièces. Les pièces, c'est fait et ça fait zizir. J'ai raté un truc, là. Non, c'est peut-être après. Elle était où, cette salle? Je crois qu'elle était là. Je crois que c'était là. Je sais plus s'il y avait un choukia dedans. Ça me dit rien, le choukia. Non, c'était pas du tout là. Attendez, on est où, là? Faut aller où? Le truc, c'est que je n'ai aucune idée d'où faut aller, donc... Waouh, la musique. Attends, on passe pas à travers ça alors que c'est... Ça n'a aucun sens. J'essaie de comprendre, hein. J'essaie de comprendre un peu. Bon, déjà, il y a un truc là pour faire des rebonds au lieu de se faire chier, a priori. Il y a une étoile ici. Donc le plus court, si je ne m'abuse, c'est de faire... Tac. Ensuite d'aller là. Voilà.
Voilà, ensuite on ne comprend rien. Parce que... Merci. Ah. Odor. Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On l'a fait craquer, on l'a fait craquer. It's me, Mario. J'ai cassé le jeu vidéo. Ok, donc, c'est reparti. Le niveau est très très vaste, hein, ce qui rend un peu compliqué la progression dedans. Alors déjà, le truc de tout à l'heure, c'était là en fait. Exactement là. Pas ce qu'on vient de faire, mais la fois d'avant, on avait été là et on avait été attiré par le truc d'en bas. Qui était pas du tout le même truc. Ouais, mais il y a un Goomba, il campe l'arrivée. Voilà, tu comprends plus grand chose maintenant que t'es tombé comme un con. Ok. Donc là, il y a cette histoire de... Ouais. Celui qui a marqué le plus les esprits. Merci à Logs pour ton Prime. Bienvenue dans ton deuxième mois. Coucou à toi. Merci beaucoup. Putain, j'en ai marre des trous comme ça, là, au milieu de rien, là. Ça dégoûte. Hein ? Ah oui, c'est vrai. On n'a pas le droit de s'accrocher dans ce... Mmh. Moi, je veux aller sur celui qui va tout en haut. S'il vous plaît. Ok. Un tigre dans le moteur du pouvoir. Alors évidemment, un tigre ça donne des coups de griffe. Un tigre, oh, en plus on recommence depuis le début. Merci à Nemo pour ton Prime, bienvenue dans ton deuxième mois, merci beaucoup. Attends, comment on négocie ça là? C'est de pire en pire, hein. Éternel et qui nous parle. Merci à Madriski pour ton 13e mois, merci beaucoup. Faut pas viser direct le deuxième, je pense, hein. Mais c'est très frustrant. Je tiens à le dire, c'est très frustrant. De toute façon, si je vais pas assez loin, enfin, si je vais un poil moins loin, il tombe d'un côté, si je vais un poil trop loin, il tombe de l'autre. C'est insupportable. Ah, c'est tant d'axe. Bon. On peut marcher là. Ah, mais ça change tout. Attendez, quoi? Hop là. Non, il y a un prank, il y a un prank. J'y ai cru, hein, jusqu'au bout, bien sûr.